Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui espèrent aller au royaume des cieux. Je suis Kon Young Kim et je serai votre présentateur aujourd'hui. Je tiens à sincèrement vous souhaiter la bienvenue à vous tous qui participez à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinshanji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Ces conférences sont traduites dans toutes les langues et diffusées dans le monde entier. De plus, elles sont reçues avec enthousiasme par de nombreux croyants. J'espère qu'aujourd'hui sera encore pour vous un temps précieux pour réaliser clairement la volonté promise de Dieu et pour découvrir le royaume des cieux à travers la parole témoignée. Avant de commencer la conférence, nous allons tous rassembler nos cœurs et prier Dieu notre Père. Dieu notre Père, très saint, Maître du ciel, de la terre et de toute la création, veuillez recevoir la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Nous vous remercions vraiment d'avoir appelé de nombreux dirigeants religieux, séminaristes et fidèles à se rassembler au même endroit à travers les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinshanji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, et nous vous remercions de nous faire réaliser la précieuse parole de Dieu. Dieu notre Père, accordez-nous aujourd'hui les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, afin de réaliser la véritable volonté de Dieu et de devenir un dans la vraie vérité. Guidez-nous et œuvrez afin que ce soit un temps précieux de grâce pour devenir un véritable enfant du Créateur. Nous remettons totalement cette conférence à Dieu notre Père du début à la fin et nous prions désespérément au nom de notre Seigneur Jésus qui nous a aimés et est mort sur la croix en versant son sang. Amen. Témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, aujourd'hui nous apprendrons la leçon numéro 15 à propos de la nourriture de Dieu et celle de Satan. Nous allons accueillir l'instructeur Chang-ho Song, le chef de l'église de Masan, de la tribu de Jacques de Busan, qui prêchera la parole. Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui vivent leur vie de foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux et la vie éternelle. Je suis Chang-ho Song, le chef de l'église de Masan, de la tribu de Jacques de Busan, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinshanji, Église de Jésus. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre participation à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinshanji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Aujourd'hui, la parole de vie de Dieu sur laquelle nous méditerons est celle de la leçon intermédiaire numéro 15, la nourriture de Dieu et celle de Satan. La parole de la référence principale est celle de Jean chapitre 6, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Les dirigeants religieux connaissent peut-être déjà le contenu que nous allons partager et certains ne le connaissent peut-être pas, mais j'espère que vous écouterez bien une fois de plus ce que je vais expliquer aujourd'hui. De plus, j'espère que ce sera un temps précieux pour graver dans notre cœur une fois de plus combien il est important de réaliser à propos de la nourriture de Dieu et de la nourriture de Satan pour les croyants qui espèrent le royaume des cieux et la vie éternelle. Je vais brièvement vous présenter la référence principale. L'époque de son écriture remonte à il y a environ 2000 ans et son transcripteur est l'apôtre Jean. Quant au nombre de chapitres, il a écrit un total de 21 chapitres dans l'Évangile de Jean, 1er, 2e et 3e Jean, et le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean. L'apôtre Jean est l'un des 12 disciples de Jésus, le fils de Zébédée et le frère de Jacques. Pour commencer, avant de méditer sur la nourriture de Dieu et celle de Satan, nous verrons à propos des deux types de nourriture principale dans la Bible. Dans la Bible, il existe deux types de nourriture, la nourriture physique que l'on mange avec la bouche et la nourriture spirituelle que l'on écoute et mange avec les oreilles. Il y a la nourriture physique pour la chair qui, lorsqu'on la mange, devient notre chair et notre sang physique et nous donne la vie, et celle qui, lorsqu'on la mange, tue la chair.
Il en va de même pour la nourriture spirituelle, qui est la nourriture de l'esprit. Il y a celle qui, lorsqu'on la mange, fait vivre l'esprit, et celle qui, lorsqu'on la mange, tue l'esprit. Pour qu'une personne vive, la nourriture physique et la nourriture spirituelle sont toutes deux nécessaires. La nourriture pour la chair, tout le monde sait bien de quoi il s'agit. La nourriture que nous, les croyants, voulons connaître et que Jésus veut faire connaître aux croyants est la nourriture spirituelle qui donne la vie à l'esprit. La nourriture de Dieu et la nourriture de Satan que nous allons regarder ensemble aujourd'hui sont la nourriture de l'esprit que l'on écoute et mange avec les oreilles. Dans Jean chapitre 6, la référence principale, Jésus a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Ce pain, est-ce de la nourriture physique ou est-ce de la nourriture spirituelle? Oui, c'est ça. C'est de la nourriture spirituelle que l'on écoute et mange avec les oreilles. Alors aujourd'hui, voyons ce qu'est la nourriture spirituelle, la nourriture qui donne la vie éternelle, que Jésus veut vraiment nous faire connaître. Jean chapitre 6 est également appelé le chapitre du pain, et c'est le chapitre qui parle le mieux de la nourriture dans la Bible. D'abord, regardons Jean chapitre 6, versets 1 à 27. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Philippe était très réaliste, et jusqu'à présent, il n'avait pas une foi certaine, comme quoi Jésus pouvait résoudre ce problème facilement, même après avoir vu les nombreux miracles que Jésus avait accomplis. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Jésus a prié Dieu et a nourri les 5000 personnes avec 5 pains d'orge et 2 poissons qu'un enfant avait. Après que les nombreuses personnes ont mangé, il a rassemblé les morceaux restants et a rempli 12 paniers. Les pains restants, après avoir nourri 5000 personnes ce jour-là, étaient de la nourriture pour la chair, comme la manne que Dieu avait donnée aux Israélites après leur sortie d'Égypte. Ce miracle était aussi une brève démonstration que Jésus est le Fils de Dieu avec qui Dieu est. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. La foule qui était pauvre a essayé de faire roi Jésus contre son gré, s'intéressant plus au pain qui satisfait le corps physique plutôt qu'aux questions spirituelles. Cependant, Jésus n'était pas le sauveur qui est venu résoudre leurs problèmes physiques, comme le peuple d'Israël l'avait espéré. Alors, ayant lu leurs pensées, qui étaient différentes de la volonté de Dieu,
il est parti dans la montagne. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Comme vu dans Matthieu 14, versets 22 à 23, qui est le même contenu, Jésus a fait aller ses disciples à Capernaum en barque et lui est monté seul sur la montagne pour prier. Puis il a marché sur la mer tandis que la barque était emportée par des vagues causées par un grand vent. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» La foule qui avait mangé lorsque le miracle consistant à nourrir 5000 personnes avec 5 pains d'orge et 2 poissons a eu lieu, est venue trouver Jésus et ses disciples, a traversé la mer et s'est rendue à Capernaum. Il devait avoir une grande foi. Cependant, voyons ce que Jésus a répondu à ceux qui sont venus le chercher avec foi. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. » Jésus leur dit, « Vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Et il leur dit de ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et il leur dit que la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle est donnée par lui, Jésus, le Fils de l'homme. Chers auditeurs, connaissez-vous ces deux types de nourriture? Êtes-vous en train de travailler pour la nourriture qui périt ou travaillez-vous pour la nourriture qui donne la vie éternelle? La nourriture qui donne la vie éternelle n'est pas donnée par n'importe qui, mais il y a une personne en particulier qui la donne, n'est-ce pas? Savez-vous qui c'est? Cette nourriture périssable est la nourriture de la chair que nous mangeons avec notre bouche. Et la nourriture qui existe pour la vie éternelle est la nourriture de l'esprit que nous écoutons et mangeons avec nos oreilles. Maintenant, regardons la nourriture spirituelle qui donne la vie éternelle pour laquelle Jésus nous a dit de travailler. Premièrement, il existe deux types de nourriture spirituelle. La nourriture qui fait vivre notre esprit si on en mange et la nourriture qui tue notre esprit si on en mange. La nourriture de Dieu et la nourriture de Satan que nous regarderons aujourd'hui sont les deux types de nourriture spirituelle. Comme vous vous en doutez, la nourriture de Dieu que Dieu qui est la vie donne la vie à l'esprit, et la nourriture de Satan, qui a le pouvoir de la mort, est la nourriture qui tue l'esprit. Dans la Bible, il est dit qu'il y a la nourriture qui vous donne la vie éternelle si vous en mangez, et la nourriture qui vous fera mourir sur le coup si vous en mangez. En avez-vous déjà entendu parler? Oui, c'est ça. C'est le fruit de l'arbre de vie et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon Genèse chapitre 2, verset 9, au centre du jardin d'Éden, en Orient, là où le soleil se lève, il y avait deux types d'arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse chapitre 3, verset 22, il est dit que si vous mangez de l'arbre de vie, vous aurez la vie éternelle. Mais dans Genèse chapitre 2, verset 17,
Il est dit que si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez sur le coup. Comme nous le savons bien, comme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 3, le serpent sauvage, une créature créée par Dieu, a trompé Adam et Ève par des mensonges et leur a fait manger le fruit de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait défendu. En raison de cette créature, le serpent sauvage, et du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, toute la création et le monde humain sont tombés dans la mort et la souffrance, et Dieu le Créateur a quitté le monde, et Jésus, le Fils unique de Dieu, a porté la croix. Ainsi, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 12 et ce qui suit, que la mort est venue par un seul homme et que la vie est venue à travers un seul autre. Ici, dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève qui ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal sont morts sur le coup, selon la Bible. Alors leur chair est-elle morte sur le coup ou leur esprit est-il mort sur le coup? Comme nous le savons bien, même après avoir mangé ce fruit, Adam a eu des enfants et est mort à l'âge de 930 ans. C'est exact. Ces deux types d'arbres au centre du jardin et les deux types de nourriture de ces arbres sont la nourriture de l'esprit. Et l'esprit d'Adam, qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, est mort. À cause du péché d'Adam, les personnes nées de la semence du gène pécheur d'Adam sont précisément nous, les hommes du monde entier. Tout comme Adam est mort en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tous ceux qui sont nés de la semence de ce gène sont également morts. Par conséquent, afin d'éviter la mort spirituelle et de gagner la vie, tous les habitants du monde entier ont besoin, par-dessus tout, de la nourriture de Dieu, la nourriture de l'arbre de vie, qui est la nourriture qui donne la vie à l'esprit. Pour connaître le fruit de l'arbre de vie et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut connaître la réalité de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce secret que tous les croyants du monde entier voulaient connaître, dans la leçon numéro 17 du niveau intermédiaire, intitulée « L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal », un instructeur plus compétent que moi vous l'expliquera en détail. Alors, j'espère que vous avez hâte d'y être. Aujourd'hui, nous allons regarder la nourriture qui vient des deux types d'arbres, soit la nourriture de Dieu et la nourriture de Satan. Premièrement, la nourriture de Dieu. La nourriture de Dieu est la nourriture qui donne la vie, et si vous la mangez, vous recevez la vie éternelle. Jean chapitre 6, versets 28 à 71, parle du sang et de la chair de Jésus, qui est le pain vivant descendu du ciel, et la nourriture de Dieu qui donne la vie éternelle. En raison du temps, je lirai seulement Jean chapitre 6, versets 51 à 58, qui est le contenu le plus important, et nous regarderons le contenu concernant la nourriture de Dieu qui donne la vie éternelle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. En regardant les paroles de Jean, chapitre 6, versets 51 à 58,
Jésus lui-même a dit qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Et il a dit que ceux qui boivent son sang et mangent sa chair ont la vie éternelle. Alors, les Juifs de cette époque, qui ont entendu cela, se disputaient et se querellaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Comme ils le pensaient, cette nourriture parle-t-elle de la nourriture physique consistant à boire le sang et à manger la chair physique de Jésus? Dans Jean chapitre 8, versets 51 à 52, Jésus a dit que si une personne garde sa parole, elle ne verra jamais la mort. En d'autres termes, cela signifie avoir la vie éternelle. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, il est dit que Dieu est la parole et la vie. Et comme nous l'avons vu dans 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 2, Jésus aussi était la parole. Le sang et la chair de Jésus, la nourriture pour la vie éternelle, sont les paroles de vie de Jésus que Jésus, qui est la parole, donne. Et ce n'est pas la nourriture physique, mais la nourriture de Dieu qui donne la vie éternelle. Ainsi, dans Jean chapitre 6, verset 51, Jésus dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Comme nous l'avons vu dans la prophétie d'Ézéchiel 1, 2 et 3 de l'Ancien Testament, parce que lors du premier avènement, lorsque la prophétie s'est accomplie, Dieu est venu du ciel à Jésus et a ouvert le livre en rouleau, le pain de la parole, et l'a donné à manger à Jésus. Ainsi, dans Jean 6, Jésus a dit qu'il était le pain vivant descendu du ciel. Donc, ce n'est pas la nourriture de la chair que vous mangez avec votre bouche, mais la nourriture de l'esprit que vous écoutez et mangez avec vos oreilles. Et dans Jean chapitre 15, verset 1, Jésus a dit qu'il était le vrai cep. Et dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus est dit être la vie, donc il est l'arbre de vie. Et si vous mangez les paroles de vie de Jésus, le vrai pasteur, comme mentionné dans Genèse 3, verset 22, vous deviendrez le fruit de l'arbre de vie qui a la vie éternelle. En conclusion, l'arbre de vie éternelle, c'est Jésus, le vrai pasteur. Et le fruit de l'arbre de vie, ce sont les paroles de vie de Jésus, et c'est la nourriture de Dieu. Manger la nourriture de Dieu, c'est croire et accepter la parole de vie du vrai pasteur. Au premier avènement, les croyants qui espèrent le royaume des cieux et la vie éternelle n'auront la vie éternelle que s'ils trouvent Jésus et croient et acceptent la parole de vie que Jésus donne. Maintenant, à l'inverse, regardons la nourriture de Satan qui tue l'esprit de l'homme. Dans Daniel chapitre 4, nous avons vu que Nebuchadnezzar, roi du royaume païen de Babylone, était comparé à un grand arbre, c'est-à-dire à une vigne sauvage. Cet arbre a beaucoup de fruits et les bêtes sauvages se rassemblent sous lui. Babylone apparaît à nouveau dans Apocalypse 17 et 18. Cette Babylone est le royaume des démons et a fait tomber toutes les nations avec le vin de l'impudicité et a épousé le démon. Cet arbre était le plus beau cep de Dieu, l'arbre de vie, dans Ésaïe chapitre 5. Mais il devient un cep qui produit des raisins sauvages, soit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La raison pour laquelle Jésus a dit qu'il était la vraie vigne dans Jean chapitre 15, verset 1, était parce que, comme vous pouvez le voir, il y a la vigne sauvage. Ces deux types d'arbres étaient les Israélites. Le peuple qui était l'arbre de vie a trahi et est devenu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la même chose que la trahison de Salomon et c'est la même chose que la trahison d'Adam.
Au premier avènement, tout comme cette prophétie, la réalité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui donne à manger la nourriture de Satan, soit le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est apparue. Ce sont les pharisiens qui étaient les prêtres de Jérusalem et qu'on appelle serpents dans Matthieu 23, verset 33. Dans Apocalypse 12, verset 9, le serpent est appelé Satan, le diable. Donc les pharisiens sont les pasteurs de Satan et les faux pasteurs. En conclusion, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du diable, est les pharisiens, les faux pasteurs. Le fruit de la connaissance du bien et du mal qui tue l'esprit de l'homme au premier avènement, c'est-à-dire la nourriture de Satan, est la doctrine de la fausse vérité donnée par les faux pasteurs que sont les pharisiens. Par conséquent, manger la nourriture de Satan, c'est accepter la fausse vérité des faux pasteurs, et la personne qui en mange, son esprit mourra. Chers croyants du monde entier, nous croyons en Dieu et en la Bible. La situation au premier avènement que nous voyons dans la Bible est vraiment très triste. Les Juifs au premier avènement, qui avaient espéré le royaume des cieux et la vie éternelle, n'ont pas réalisé la parole de Dieu, comme dans Osée chapitre 4, verset 6. Donc ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la nourriture de Satan, et non les paroles de Jésus, qui étaient la nourriture de Dieu et le fruit de l'arbre de vie. Et au contraire, ils ont persécuté, blasphémé et même tué Jésus, et ils reçoivent les malédictions et vont en enfer. En utilisant cette histoire comme un miroir et un avertissement, j'espère que nous trouverons l'arbre de vie et ses fruits à travers la parole dans le royaume du Père qui apparaît aujourd'hui, mangeront la nourriture de Dieu et deviendront la famille du royaume des cieux qui vit pour toujours. Le temps le plus important pour nous aujourd'hui est le second avènement du Seigneur. Lors du premier avènement, Jésus a fait la promesse avec l'espoir que tous les croyants d'aujourd'hui mangeraient la nourriture de Dieu et vivraient éternellement. Cette promesse de Jésus est la nouvelle alliance établie avec le sang de Jésus. Dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20, la nuit de la Pâque, une nouvelle alliance a été établie avec le sang de Jésus. Vous ne mangerez pas la nourriture de la Pâque, la chair et le sang de Jésus, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume du Père et qu'il vienne. C'est-à-dire qu'il a été promis que nous en mangerons dans le royaume du Père quand le royaume du Père sera établi et sera venu. Comme nous l'avons vu précédemment dans Jean chapitre 6, versets 51 à 58, la chair et le sang de Jésus sont la nourriture de Dieu qui nous donne la vie éternelle si nous en mangeons, c'est-à-dire la nourriture de l'Esprit que nous écoutons et que nous mangeons avec nos oreilles. Il l'a caché dans la nouvelle alliance pour que l'on n'en mange pas, mais quand la nouvelle alliance est accomplie, il a dit que nous en mangerons dans le royaume du Père au second avènement. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 54, au son de la dernière trompette, les morts seront ressuscités en ce qui est incorruptible, nous aussi nous serons transformés, et le corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité, et lorsque le mortel sera revêtu de l'immortalité, il a promis la résurrection et la vie éternelle, car la mort a été engloutie dans la victoire. Ce son de la dernière trompette est également la nourriture de Dieu qui fait vivre éternellement au second avènement du Seigneur. Chers auditeurs, vous voulez manger la nourriture de Dieu qui donne la vie éternelle aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui aime la mort et la douleur? Si quelqu'un aime ces choses, levez la main. De tous les hommes sur terre, aucun n'aime la mort et la douleur. Dieu est vie, et il est celui qui accomplit toujours ses promesses. C'est la nourriture promise par Jésus en offrant le sang de la vie. Aujourd'hui, comme au temps du premier avènement,
J'espère qu'il n'y aura pas d'esprits pour qui ce sera dommage, qui manqueront la nourriture de la vie éternelle juste devant leurs yeux parce qu'ils ne réalisent pas la parole. Maintenant, quand les prophéties du Nouveau Testament s'accomplissent au second avènement aujourd'hui, regardons le sang et la chair de Jésus qui étaient cachés dans la Nouvelle Alliance et le son de la dernière trompette, la nourriture de la vie éternelle. Le sang de Jésus, la nourriture qui donne la vie éternelle, a été caché jusqu'à ce que la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse, soit accomplie. C'est la nourriture de la vie éternelle qui peut être consommée lorsque l'Apocalypse s'accomplit. Ainsi, dans la prophétie de l'Apocalypse, il est écrit à propos de ceux qui boivent le sang de Jésus et ont la vie éternelle. L'œuvre de Dieu s'accomplit selon cette promesse. Comme nous le voyons dans Apocalypse 5, versets 9 à 10, il y a le royaume et les prêtres de Dieu qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Et dans Apocalypse 7, verset 14, la multitude en blanc qui a lavé ses vêtements dans le sang de Jésus apparaît. Ce sont ceux qui ont bu le sang de Jésus lors du second avènement du Seigneur, et leur réalité est les prêtres et la multitude en blanc des 12 tribus du royaume de Dieu. Alors, lisons la parole d'Apocalypse, chapitre 2, verset 17, pour découvrir comment font-ils pour pouvoir boire le sang de Jésus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Oui, vous avez bien lu. Comme Jésus a donné aux vainqueurs la nourriture que Jésus avait cachée dans la Nouvelle Alliance, le sang et la chair de Jésus et la manne qui était cachée, la nourriture pour la vie éternelle, tout comme nous ne pouvions manger la nourriture de Dieu qui donne la vie éternelle qu'à travers Jésus lorsque nous rencontrions Jésus, le Fils de l'homme, au premier avènement, nous devons rencontrer le vainqueur pour manger la nourriture de Dieu qui donne la vie éternelle lors du second avènement du Seigneur, et il faut recevoir et manger la nourriture de la vie éternelle à travers le vainqueur. Et dans Apocalypse 5, le livre scellé qui était scellé de 7 sceaux dans la main droite de Dieu, Jésus l'a pris et l'a ouvert et accompli dans Apocalypse 6 et 8, et dans Apocalypse 10, il le donne à manger à nouveau Jean à travers l'ange, et il le fait prophétiser à nouveau aux peuples, nations, langues et rois. La parole révélée ouverte que Jésus a ouverte et accomplie, et qui était cachée jusqu'à l'accomplissement de l'Apocalypse, est la manne qui était cachée. Et en tant que nourriture de la vie éternelle, ce n'est pas la nourriture de la chair, mais la nourriture de l'esprit que l'on écoute et mange avec ses oreilles et que l'on ne peut recevoir et manger que par l'intermédiaire du nouveau Jean, le vainqueur, au second avènement du Seigneur. De cette façon, le fruit de l'arbre de vie qui est la nourriture de Dieu qui donne la vie éternelle lors du second avènement du Seigneur est prophétisé sous divers noms. Le sang de Jésus, la manne qui était cachée, la parole révélée ouverte, et même écouter et manger avec les oreilles. Le son de la septième trompette dans Apocalypse 11, verset 15, qui est apparu comme promis dans 1 Corinthiens 15. Tout cela est la nourriture de Dieu et le fruit de l'arbre de vie qui donne la vie à notre esprit. Si cette nourriture apparaît aujourd'hui, ne devrions-nous pas tous en manger? Écouter et manger par les oreilles cette nourriture pour la vie éternelle lors du second avènement du Seigneur est la raison pour laquelle Jésus, au premier avènement, a versé son sang sur la croix pour établir la Nouvelle Alliance. Alors, où pouvons-nous manger la nourriture de Dieu, cette nourriture importante pour la vie éternelle, au second avènement du Seigneur?
Au second avènement du Seigneur, l'endroit où vous pouvez manger la nourriture de Dieu qui donne la vie éternelle est comme promis dans Apocalypse 15, versets 1 à 5, le seul endroit au monde où il y a le vainqueur et Dieu, qui est la source de la vie, et Jésus et le royaume des cieux. C'est Novosel Nouvelle Terre Shincheonji, le temple du tabernacle du témoignage, d'où la parole de la vie éternelle sort et où toutes les nations viendront adorer. C'est la Bible et la promesse de Dieu. Je prie pour que vous réalisiez la vérité, que vous trouviez et mangiez la nourriture de la vie éternelle et que vous receviez tous le royaume des cieux et la vie éternelle à venir. Maintenant, à l'inverse, regardons la nourriture de la mort, la nourriture de Satan, qu'il ne faut absolument pas manger aujourd'hui. Lisons d'abord les paroles d'Apocalypse chapitre 18, versets 2 à 3. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Oui, vous avez bien lu. Dans Apocalypse chapitre 17, il y a une prostituée dont le nom Babylone est écrit sur son front. Cette prostituée est le faux pasteur qui ne reçoit pas la semence de Dieu, mais la semence de Satan, et élève des enfants. En raison du vin de son impudicité, soit les paroles de fausse vérité du faux pasteur, les rois de la terre commettent l'impudicité et les habitants de la terre sont ivres. Cette Babylone, comme on le voit dans Apocalypse 18, est la demeure des démons et le lieu de rassemblement de toutes sortes d'esprits impurs. Donc il est dit que les nations sont ivres du vin de l'impudicité et sont tombées. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 23, il est également dit que toutes les nations sont mariées aux démons. C'est vraiment une triste réalité. Il est dit que toutes les nations ont été détruites par les paroles de fausse vérité du faux pasteur, la nourriture de Satan, le vin de l'impudicité. Alors, il n'y a pas d'exception, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Dieu est vie et amour. Dans Apocalypse 22, il a fait l'arbre de vie afin de guérir toutes les nations déchues et il guérit toutes les nations à travers les feuilles de cet arbre. Chers dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier, Dieu est vie et salut. Croyez en Dieu et en la parole, et venons tous à Novosel Nouvelle Terre Shincheonji, la ville sainte d'Apocalypse 22, où se trouve l'arbre de vie. Mangeons le fruit de l'arbre de vie et renaissons. En faisant ainsi, je vous souhaite de devenir un enfant de Dieu qui sera avec Dieu, Jésus et le royaume des cieux pour toujours. Maintenant, permettez-moi de vous donner la conclusion du contenu d'aujourd'hui. Les deux types de nourriture spirituelle que nous avons vues aujourd'hui sont la nourriture que nous écoutons et mangeons avec les oreilles. Il y a la nourriture de Dieu qui donne la vie éternelle si on en mange, et la nourriture de Satan qui tue sur le coup si on en mange. La nourriture de Dieu, ce sont les paroles de vie du vrai pasteur, et la nourriture de Satan, ce sont les paroles de la fausse vérité du faux pasteur. Manger la nourriture de Dieu, c'est écouter et accepter les paroles de vie du vrai pasteur, et manger la nourriture de Satan, c'est accepter la fausse vérité du faux pasteur. Ce sont toutes les nations. En ce jour où toutes les nations sont ivres du vin de l'impudicité de Babylone et s'effondrent, ne buvons pas du vin de l'impudicité, qui est la nourriture de Satan, le fruit de la connaissance du bien et du mal, mais recevons et mangeons la nourriture de Dieu, qui sort de Novosel Nouvelle Terre Shincheonji, temple du tabernacle du témoignage, la manne qui était cachée, le fruit de l'arbre de vie, à travers Nouveau Jean le vainqueur, et devenons les prêtres et la multitude en blanc du royaume de Dieu, les 12 tribus, et devenons les enfants de Dieu, qui hériteront du royaume des cieux et de la vie éternelle. Avez-vous bien écouté la parole aujourd'hui?
La prochaine fois, nous partagerons la parole sur le thème de la place préparée par Jésus et le Saint-Esprit de vérité, le Consolateur, en nous basant sur la référence principale de la leçon numéro 16 du niveau intermédiaire, les chapitres 14 et 16 de l'Évangile de Jean. J'espère que ce sera un moment précieux pour vous permettre de réaliser où vient le Consolateur, le Saint-Esprit de vérité qui vient au nom de Jésus et comment il œuvre. La prochaine fois, un instructeur qui peut délivrer la parole bien mieux que moi viendra témoigner de la parole. J'espère que vous avez hâte d'être à la prochaine fois. Enfin, je conclurai en clamant « We are one » dans le sens où nous sommes un, en Dieu et en Jésus. Nous transcendons les origines, les nations et les religions et sommes un en Dieu. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, qui est saint et envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement pour votre grand amour et votre grâce. Nous vous rendons grâce et gloire pour la grâce qui a conduit pendant ce temps les dirigeants religieux, les séminaristes et tous les croyants du monde à cette conférence en ligne de Novosel Nouvelle Terre Shincheonji où il y a la parole de vérité. Par la parole de vérité, par cette seule parole, accordez-nous une vraie réalisation et une vraie foi en Dieu le Père, afin que tous les enfants de Dieu réunis ici puissent atteindre le royaume des cieux et la vie éternelle. Dieu notre Père qui est saint, il reste encore beaucoup de paroles précieuses des conférences en ligne de Novosel Nouvelle Terre Shincheonji à écouter. Pour que les dirigeants religieux, séminaristes et les nombreux croyants réalisent tous parfaitement les paroles de Dieu restantes et faites de nous tous de vrais enfants de Dieu qui vont au royaume des cieux et auront la vie éternelle. Jusqu'à la prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous croyons que Dieu le Père sera avec nous et nous guidera à la prochaine fois. Et nous avons sincèrement cru et prié pour toutes ces choses au nom de notre Sauveur Jésus-Christ qui a versé son sang et est mort sur la croix pour nous. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. La place que Jésus a préparée et avec laquelle il vient est la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel. Pourquoi s'appelle-t-elle la Nouvelle Jérusalem? Jésus a promis qu'il reviendrait quand cette place serait préparée. Où vient donc Jésus? Pourquoi donc dire un autre consolateur au lieu du consolateur? J'espère que nous deviendrons tous de vrais croyants qui écoutent les paroles du consolateur que Jésus a promis et les gardent. Chers auditeurs, avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole d'aujourd'hui? La prochaine fois, nous prêcherons la parole intitulée « Leçon numéro 16, la place préparée par Jésus et le Saint-Esprit de vérité, le Consolateur ». J'espère que vous assisterez également à la prochaine conférence, que vous réaliserez la véritable volonté et le cœur de Dieu à travers la parole de promesse, et que vous deviendrez les membres de la famille du royaume des cieux qui sont ensemble au royaume de Dieu. Les croyants du monde entier, hommes et femmes, ont des nationalités, des origines et des langues différentes, mais la sincérité de l'amour pour la parole de Dieu est la même. Nous croyons que nous sommes un dans la parole de l'amour et de la vérité de Dieu. Les écoles de théologie et les dirigeants religieux du monde entier, voulant devenir ainsi un dans la parole, signent des protocoles d'entente avec Novosel Nouvelle Terre Shincheonji, et même encore maintenant, de nombreux protocoles d'entente sont en cours de signature. Si vous avez d'autres questions sur l'Église Novosel Nouvelle Terre Shincheonji et la parole, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Enfin, je voudrais remercier les dirigeants religieux, les séminaristes et les croyants du monde entier qui ont honoré cet événement. Je prie pour que vous abondiez toujours de la grâce de Dieu. Avec cela, nous allons terminer cette conférence et faire la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.